Bonjour à tous, c'est Yevik Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai oublié de le mentionner dans la Big Boss Life, il y aura deux magazines, les Mixonites, que je vous avais parlé depuis un moment. Et donc on va faire la découverte du magazine Mixonites de mai. Voilà, simplement. Et c'est comme ça que j'y ai pensé. Et il y a l'air d'y avoir beaucoup de pièces. Et pour une fois, toutes les pièces sortent bien. C'est cool tout ça. On va mettre ça ici. Et alors, mode d'emploi, est-ce qu'il y a ou pas? En général, c'est assez au début. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, une pièce de caméra avec des pièces hantées comme ça. Et une tête ici. Donc comme ça. Après, on prend des mains, des bras de bottes et on met des dents ou des pointes. Et donc ça, on peut faire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, hein, parce que comme ça nous avance pour après. Et donc, ce qu'il faut faire, bien désolé si j'ai. Il y a eu un petit bug là, je sais pas si on a entendu que j'ai bugué, pour dire bouger. Mais bon. Donc, on prend après les pattes et on les accroche sur les T. Mais par contre, en parlant comme ça, je tiens juste à dire que ces temps, la météo n'est pas avec nous. Et oui, simplement car hier il faisait super beau et tout. Tout le monde s'est dit cool, c'est l'été, on va s'amuser. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il y a si je regarde par la fenêtre? Des nuages gris, de la pluie. Donc voilà. Je suis un peu déçu. Par contre, je sais pas où ça va, ça. Ah, ok. Donc il faut mettre les tenons là. Puis après, on met ça dessus. Donc là, comme ça. Et les pièces sont grasses. C'est bizarre. Ouais, ben je viens de perdre une pièce, par contre. J'ai une moquette orange et j'ai fait tomber une pièce, une fois une, avec trou au milieu, orange transparente. Oh, j'ai du bol. J'ai eu un grand bol.
Et donc, je mets du temps hein, pour faire ces araignées et je trouve ça plutôt pas mal. Sans compter le fait que eh bien, la vidéo sera plus longue aussi à se mettre en ligne. Et du coup, le temps sera aussi plus long pour que vous puissiez la visionner. Et du coup, eh bien, voilà. Ah ouais, et puis dans ce cas, je peux faire ça. Ok. Je pouvais pas faire ça avant. Non, on va débriefer ça après. J'allais dire bilan de ça. Ben non, on n'a pas encore regardé le magazine en lui-même. Donc je vais mettre ça là pour l'instant. Donc, alors on va se remettre comme il faut pour les magazines. Et remarquer que ça ne devait pas être là-bas. Donc on va enlever ça. Voilà. Et donc, couverture avec bien sûr un peu ce qu'il y aura dedans pour vous faire envie d'acheter le magazine. Là, le sommaire. Le cadeau. La BD. Toujours la BD. Là, on a des jouets. Donc on a l'épée rugissante de clé et le chariot du maître des bêtes. Mais ça va trop vite, non? Vous avez vu ça? Ah bah non, mais de toute façon, on a été assez loin. C'était de la BD, hein. Là, on a des tirs et il y en a que un qui touche le gobelin. On doit savoir si c'est le A, B ou C. Donc voilà. Là, on a des bouts floutés et là, le personnage en flouté aussi et avec ah ouais non, il est en pixels et du coup, on doit trouver là A B C D E si c'est 1 2 3 4 ou 5. Ici, on a les torses des personnages et on doit les remettre sur les bons personnages. Donc après ça va encore, ça c'est Axel, ça c'est Messi, ça c'est Lance, ça c'est Aaron, ça c'est Clay et ça c'est le Flamethrower. Donc c'est pas trop compliqué. Donc si vous voulez c'est A 6, B 4, C 5, D 1, E 2, F 3. Voilà donc pour ceux que ça intéresse. Là, on a un mot croisé. Donc, on a des questions, mais sur le royaume Nyxonite et ses chevaliers. Donc, c'est un mot croisé. Puis, par exemple, le 1, donc en vertical, c'est le nom du royaume de Nyxonite. Donc, Nightonia, voilà simplement. Donc, K-N-I-G-H-T-N. Ouais. Non, ça doit pas être ça. Je sais pas. Peut-être que j'écris pas juste. Hein. Donc un portrait de Marlock et là Aaron Fox. Donc, Fox, je crois que ça veut dire. Donc là déjà, regardez le bas et le haut. Ça n'a pas l'air. Je crois que c'est le vieux Marlock, hein, ça c'est pas le 2.0. Donc là, abonnement. On peut s'abonner ici. Offre valable jusqu'au 30 du 9. Ah, je vais peut-être faire ça. Donc on a deux véhicules, enfin deux sets ici. On a le méca du roi et Infernax capture la reine. Donc Infernax, c'est lui.
Donc Infernax va se battre contre le mecha car le roi va vouloir sauver sa reine. Voilà. C'est assez cool par contre ce que je viens de voir. Nexonite propose de, en proposant ces modèles, nous montrer le nombre de briques incluses dans le set. Donc pour Infernax capture la reine, il y en a 253. Et contre le mecha du roi, il y en a 357. Il y avait un aérocheval et je sais pas où il allait. Donc là, on voit nos araignées. Dans la BD. En général, elles font toujours une apparition dans la BD. Par exemple, vous avez Robin à son cheval. J'ai pas vraiment regardé encore. Mais normalement, il doit apparaître avec son cheval. Donc là, les dessins ou photos de personnes qui ont été acceptées. Les messagers perdus. Ce mini-monstre en problème. Ok. Donc, trois messagers. Donc, un grand sourire. Après. Ah ouais, ok, c'est comme si vous devez chercher des mots. Donc après, ça doit pas être trop compliqué, je pense. On va essayer de trouver, voilà, j'ai trouvé, c'est bon. Je vous donne toujours pas la, je vous donne pas la réponse, hein, bien sûr. La pub pour le prochain numéro et donc le cadeau que j'ai déjà hein, qu'on va faire les cartes donc une avec Jestro, une avec Clay, Macy et Moltor. Désolé si vous voyez des pièces ici, hein, j'ai mal rangé. Il faut que je fasse vraiment du tri avec mes pièces. Et par contre, point négatif, elles tiennent pas extrêmement bien sur leurs pattes. Hein. Voilà, donc là vous avez les deux façons de les mettre. Je vais vous montrer ça comme ça ou comme ça. Et donc, bilan sur le set. C'est un set pas trop mal. Enfin, set magazine. Les jeux sont assez bien, même si c'est pas ça le plus important pour les vidéos. C'est surtout de vous montrer eh bien, des figurines et de compléter eh bien, la collection Nexonite. Je ferai normalement, si je retrouve tous les sets bon Nexonite, j'en ai pas trop. Après j'en ai deux gros, trois gros sets et après j'ai des ultimates et des petits personnages comme ça. Donc j'ai l'épée rugissante de Clay, le chariot de Bestmaster. Donc le chariot de Bestmaster, vous l'avez vu en vidéo, mais le cheval. Le Lance Mech Road, je crois que c'est ça. Vous l'avez pas vu en vidéo, j'ai le cheval de Lance. Et l'épée rugissante non plus. Donc l'épée rugissante, j'ai fait certainement une review. Je crois que c'était dans mes premières vidéos. Je sais pas si j'ai fait ou pas. J'espère que j'ai fait. J'irai regarder à l'occasion. Et comme ça, quand j'aurai... mais vraiment pas de contenu pendant un long moment. Eh bien, je ferai des petites reviews là-dessus. En attendant, eh bien, je vous dis à demain pour la construction du
7 très attendu, en tout cas pour ma part. Et donc, le 7 en question, eh bien, c'est le dragon de l'œil, hein, bien sûr. Et donc, au moment où je vous parle, je suis en train de regarder dans l'autre, dans le magazine qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, pour voir si on voit. Je suis trompé, oui, j'ai dit Axel, mais c'est Robin, hein, Donc Robin il apparaît, oui, mais avec une armure et un exo-pouvoir. Mais je vois pas son petit méca de cheval en tout cas. Ouais, malheureusement, je vois pas. Il combat avec Ava, mais pas de mecha. Ouais, non. Bon, bah voilà. Au moins, on sait ça. Bah, en général, en tout cas, quand c'est des petits monstres ou, par exemple, le flamme Trower. Et ben normalement il apparaîtra dans le magazine. Et donc j'espère et bien que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Questions, commentaires, et bien j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc moi je vous dis et bien salut à tous et à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc ce que je veux dire c'est à demain, hein. J'ai tellement l'habitude de dire à une prochaine pour de nouvelles vidéos que j'oublie que c'est à demain. Ça va être normalement à demain, à demain, à demain, et des fois à une prochaine, parce que j'en ferai pas le lendemain ou comme ça. Et donc voilà, donc je vous dis salut à tous et à demain pour la live construction du mecha. Salut à tous.